Bonjour, bienvenue sur le plateau de Ternet. Nous recevons aujourd'hui Baptiste Soenen, ingénieur service du pôle agronomie d'Arvalis Institut du Végétal, pour parler localisation des engrais. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, quel est l'intérêt de localiser des engrais en culture ? Donc, pour faire simple, il y a deux clés d'entrée pour l'intérêt de la localisation des engrais sur les cultures. La première, c'est la mobilité des éléments dans le sol. Donc à savoir des ions qui vont se déplacer plus facilement que d'autres, donc comme l'azote et le soufre, qui sont des ions très mobiles, et à l'inverse le phosphore et le potassium, qui sont des ions peu mobiles. Et donc deuxièmement, la deuxième clé d'entrée, c'est la densité racinaire des cultures. Donc des cultures en gros avec des écartements de semis importants comme le maïs, donc qui ont une densité racinaire faible. En tout cas au début au semis, et à l'inverse des cultures comme le blé ou les serres à la paille en général avec des interrangs étroits. Donc si on combine ces deux facteurs, on retrouve des éléments comme le phosphore et le potassium qui sont potentiellement intéressants à localiser sur le maïs, alors que l'azote sur serre à la paille par exemple n'a pas grand intérêt à être localisé. C'est sur le maïs que la localisation de l'engrais est la plus intéressante. Quels sont les enjeux concrètement pour l'agriculteur de localiser l'engrais sur le maïs ? Donc les enjeux, si on décompose par éléments, l'enjeu principal sur l'azote, c'est la limitation des pertes. Donc des pertes par volatilisation ammoniacale. Donc en fait, c'est plus l'enfouissement que la localisation qui limite les pertes. Mais bon, comme les besoins en azote du maïs sont plutôt tardifs, l'intérêt, on va dire, est assez réduit et il faut que ça rentre dans le cadre du fractionnement des apports azotés sur maïs. Donc si on parle maintenant phosphore et potassium, bien que les absorptions soient aussi tardives, les carences sont plus importantes au stade juvénile. Donc l'intérêt là est de mettre à disposition des racines dans un volume qui prospecte un volume de terre réduit au début, au semis, donc une quantité suffisante de phosphore et de potassium pour un développement plus rapide. Meilleure vigueur au départ. Pardon. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner sur le rendement ou sur le résultat final de la localisation de l'engrais ? Oui, donc sur une synthèse qui a été faite donc, d'une cinquantaine d'essais Arvalis, AGPM Technique et ITCF. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en rendement, on ne gagne pas à tous les coups, mais qu'en moyenne, on gagne 2 quintes aux 5. Et par contre, là où on gagne à tous les coups, c'est sur l'humidité du grain à la récolte. Donc je l'ai dit, une meilleure vigueur au départ, un blé au stade juvénile qui se développe plus vite, et du coup, une humidité à la récolte, à même date de récolte, qui est plus faible. Et donc là, on gagne en moyenne un point d'humidité donc à la récolte. Et ça, on le voit, c'est très visuel, et c'est quelque chose de très reconnu. Un maïs qui a été semé avec une fumure starter, a une meilleure vigueur au départ et du coup la récolte, une récolte plus précoce. Donc vous parlez d'engrais starter, entre les différents systèmes de localisation de l'engrais qui existent, est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications quant au choix effectué ? Donc il y a deux grosses méthodes de localisation de l'engrais donc au semis du maïs. Donc la première, donc c'est ce qu'on appelle la localisation starter 5-5, donc 5 cm à côté, 5 cm en dessous de la graine. Donc c'est des distances qui ont été calculées pour limiter la toxicité, donc notamment des engrais azotés ammoniacales sur la graine. Et donc où on peut apporter des quantités plus importantes d'engrais. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle par micro-granulé. Donc on utilise les micro-granulateurs des semoirs donc monograines, qui initialement étaient prévus pour mettre les insecticides, donc pour mettre des engrais micro-granulés, donc des engrais avec des granulés plus petits. Mais donc, bon, l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'on peut mettre des quantités moindres. Merci, monsieur. Merci.